Green is Better, c'est un concept de salade bar, concept de restauration rapide, saine et équilibrée. Et on propose à tout client de déjeuner pour moins de 10 euros et d'avoir un repas complet avec une base de salade ou une base de féculents qu'on va agrémenter donc d'ingrédients salés, protéines, fibres au choix, plus un assaisonnement donc pour un repas à moins de 10 euros. Je ne recherche pas spécialement de profil de franchisé, mais ce dont je m'aperçois au fil des années, c'est que le franchisé type est un candidat d'environ 30 à 50 ans, toutes CSP confondues, qui n'a pas spécialement d'expérience dans la restauration, voire quasiment jamais d'expérience dans la restauration, et qui a envie de changer de vie, de devenir commerçant, mais pas à tout prix. Ça veut dire qu'il souhaite quand même privilégier sa qualité de vie. Green est un restaurant qui est ouvert du lundi au vendredi, le midi uniquement. On ne travaille pas le soir, pas le week-end, pas les jours fériés. Je pense que c'est aussi ce concept-là qui fait que les candidats sont intéressés. C'est un investissement de 94 500 euros. Un droit d'entrée qui aujourd'hui est à 18 000 euros. Pour l'apport en fonds propres, on sait que les banques accordent plus volontiers leur concours quand l'investisseur dispose d'environ 30% des fonds. Donc à faire le calcul en fonction de l'investissement global, des travaux, etc. On apporte un service évidemment de savoir-faire, de formation, d'action commerciale à mettre en place pour faire évoluer la clientèle, la fidéliser, etc. Des formations régulières sur Paris au siège. Et puis également de la communication à travers l'image et la publicité. Aujourd'hui, on est en pleine refonte de notre site internet pour y donner une dimension un peu plus corporate. Également, on travaille sur le placement de marque. Green sera d'ailleurs prochainement à l'affiche d'un film avec deux têtes d'affiche du cinéma français, sorti du film en 2012. Certaines scènes se passeront dans un de nos restaurants. De la même manière, on travaille également par exemple sur une web-série qui sera diffusée sur une web-TV qu'on est en train de développer également, qui donnera une image à Green aussi un peu sympa, dynamique encore une fois, dans la tendance et plutôt décalée. C'est vrai que le salad bar est sur un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, quand on vient chez Green, vous trouvez une équipe dynamique, à l'écoute. On répond aussi à un positionnement marketing intéressant. Aujourd'hui, on est entouré de messages de communication sur manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. On est dans la tendance. Mais plus que ça, au-delà de ça, je pense que c'est une vraie prise de conscience du consommateur aujourd'hui qui se dit « je ne peux pas manger tous les jours des choses lourdes ou grasses, je peux, mais je varie également mon alimentation avec des produits plus équilibrés ».